Bon ben bonjour tout le monde, bienvenue à capsule numéro 13 de Born à Buzz, aujourd'hui le 27, faire ça l'après-midi encore. Hey, ça va faire deux vidéos de l'après-midi. Ah ouais? La dernière fois, tu étais positif. Non, je n'étais pas positif. L'hôpital. L'hôpital. L'hôpital, ça va mieux. À virer l'hôpital à l'envers. Mais si ça semble, ça ressemble, hein? Elle se laisse pas imposer n'importe quoi. Yeah, Rick Slax, c'est du café que je prends là. Est-ce que t'es bon? Oui. Méchante vidéo. Gourou, gougoun. Il boit, il se promet tout avec sa canette de coke des mains. Bon, aujourd'hui, le gourou va parler de qu'est-ce qui se passe dans le fameux monde de l'ésotérisme. Puis ça va terminer avec les channeling de Tobutu. Je vous dis tout de suite, là, Tobutu, là, il a du pas long. Ça va être demain tout le temps. Là, je tousse encore, mais c'est parce que j'ai encore des... Comment qu'ils appellent ça, déjà? Des retours. Des retours de la nicotine. Là, je suis pas content de ma femme si elle a recommencé à fumer, tabarnak. Ben, je fume pas comme ma mère, quand même. Pas fine, j'ai donné des tapes, c'est foufoune. Ouais. Puis j'ai l'impression que je l'ai plus encouragé que d'autres choses. Bon, on va finir par arrêter. Ben oui, quand ça? Je sais pas, même un jour. Un jour? Quand il va être trop tard. Ben non. J'étais au moins une semaine et demie sans boucan de maison. J'ai toujours rêvé de fumer. Première chose qu'elle a faite, c'est quand elle est arrivée. Où sont les cigarettes? Mais pas vrai. J'ai resté un bon 2 heures comme ça. Non, non, c'est sûr, elle fume beaucoup moins. C'est déjà trop. Moi, mec, va finir par arrêter de fumer la boucane des autres. Oh, je suis méchant. Hop. Je sais pas si je vais continuer ou pas, là. Bon. Mon petit mot, ben, c'est pas, je sais pas s'il y a du monde qui l'ont vu, j'ai l'impression que, puis non. C'est un peu canal. Canal Orange, là. Le canal de radio, c'est brun pas mal. Hey, il y a 9 vues sur le petit message du clavardage, j'ai fait. Bravo! C'est peut-être à cause de la fin du temps. À 23h, ils ont peut-être, les gens ont peut-être pas apprécié la juste valeur de l'humour. Qui est marqué à 23h. Oh, ma gang de calice.
C'est peut-être un peu dru comme humour. Mais c'est de l'humour. Il n'y a pas d'autre chose. Bon. Ben oui, mercredi prochain. Qu'est-ce qu'il y a mercredi prochain? Au clavardage. Le mercredi du clavardage. Comment j'ai appelé ça? Il m'aime pas. Le mercredi du clavardage, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y aura pas tout le monde là, encore. Parce que si pas tout le monde sont disponibles. Là, j'avais pensé pour les prochains clavardages de libérer le privé pour que tout le monde puisse avoir accès au chat, même les visiteurs, pour une journée le mercredi. Faut pas avoir tout le temps, là. Non, pas tout le temps. Le mercredi seulement. Pas sûr. Ben, c'est sûr. Faudrait l'essayer pour voir que ça a l'air. Si c'est concluant, on va poursuivre de même. Si c'est pas concluant, ben, fuck you. Pas plus compliqué que ça. Faut pas punir du monde parce qu'il n'est pas fin qu'ils viennent. Hein? Ouais, je veux bien. Il n'est pas fin, il est Christ de Wawa. Il y a des façons de le bloquer, de toute façon. C'est sûr qu'avec des proxys anonymes, c'est plate, là. Maintenant, mec, il n'y a plus de proxy disponible, tu sais. Il va arrêter. Hein? J'avais pensé ça. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il faut que j'en discute avec les membres avant. Parce que les membres, ils ont des droits, là, hein, c'est privé, ça appartient au monde, ça m'appartient pas, là, ça appartient au monde. Fait que, si on suit le, comment on dit ça, là? La logique. Non, pas la logique, mais c'est logique, là. Sinon, la démocratie. Ok. On est du monde civilisé. Oui. Bon, à part ça. C'est ça, on va parler des autoristes. C'est-tu mort, ça, ce sujet-là? Parce que tantôt, le gourou m'en parlait, là. Attachez vos trucs avec de la broche, parce que ça va coincer des, il va y avoir des grichements dedans. C'est de l'humour, là. C'est pas d'autre chose que de l'humour, là. Les grinchements dedans, là. Vaut mieux les grincer que les faire péter. Bon. Il a fallu me faire un café avant de commencer mon spoiler. Hey, amour. Si je fais du parcours, t'en veux-tu? Je veux que tu pas fort. Tu fais vraiment faible. Faible. Comme d'habitude, es-tu trop fort? Ben. Légèrement? Ouais, un petit peu. OK. Mais c'est parce que le premier est correct. Ouais. Mais aussitôt qu'il reste 3 minutes, il est trop fort. OK. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Je me suis pas douté mon tune. Parce que si je ferais du café Tim Hortons, on aurait William Bobry tout proche de nous autres. Là. Je ne veux pas l'avoir sur mes parties. Là. Ah oui, t'avais des beignes. T'as faim? Des bons beignes à costard. Pas de confiture, non. Pas de confiture. Oh, amour. C'est tout, il faut tu tapes tes doigts. Ben,
Ah non, c'est correct. Ben oui, pourquoi pas? Il y avait du monde qui ne savait pas c'est quoi la confiture. Pourquoi qu'on en parle? Fait que, c'est ça, le sujet, ça va être. L'ésotérisme, c'est-tu. Est-il mort? Fait que je vais laisser la parole à Gourou. On va mettre un peu de pêche là-dedans. Ciao! Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Rex Lax. Elle est bonne en cake. C'est le bon monde en arrière de la piscine qui fait la même chose. Ah oui, il est fait bon, t'as fait du rang que je pas être coke. J'étais en bois tellement coke là. J'étais en train d'acheter la compagnie. Non, mais ça fait de la publicité à coke pas mal, je trouve. C'est de la publicité gratos là, pas mal. Hein? Ben non, ben non, ben non. Je suis gourou, mais pas attaché à mes sous. Hein? J'ouvre pas un canal pour, comme tu nommes, Orangina TV, là. Non, 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 non. Moi, c'est bien simple, là, tu sais. Nya, 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 nya. Nya! Je veux pas attirer le monde avec ça. Je veux attirer le monde pour l'humour. Pas pour l'ésotérisme, là. Parce que, si tu regardes ça aujourd'hui, l'ésotérisme, là, ça, c'est comme v'là 30 ans, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais quand t'es rendu de payer quelqu'un pour faire raconter une histoire, là, c'est bon en tabarnak. Si une chance, il va me détester. Ça donne bien, c'est réciproque. Mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas un once de malice en moi. Pas un once. Il y a juste deux clous. Qu'est-ce qui est bon, le café? Je vous dis pas la marque. Je ne veux pas faire de gratos. De gratos. Je ne veux pas faire d'annonce. Tu d'un coup, les autres, ils veulent pas aussi s'affilier avec mon visage. Oups, désolé, il faut le marier. Bon, le frère, il ferait pas ça dans les cheveux. Même ici. <aussi. rire> Ah ouais, gros club, c'est bon, les cheveux, là. Il faut ça à la télé, là. Ouf, ouf, ouf. Ça serait pas vraiment intéressant. T'imagines une grosse leurre, ça? Hey, si. T'entends pas mes couettes. Maman! Hey, mais. Il me semble qu'ils sont pas comme d'habitude. Attends, on va descendre sur le site. Ah! Ils sont pas plus que d'habitude. Ça me semble qu'ils sont plus hauts.
Bof. Bof. Oh, tabarnak, j'ai jamais gagné. Bon. Parlons-en de l'ésotérisme. Il y a bien ça, on va regarder ça tout de suite. Attends un peu. Bon, ça, les pyramides, c'est quand même pas super. Pour revenir brièvement sur la dernière capsule d'Orangino. D'Orangino, t'as possible, ça. Vidéo Orangino numéro 4. Il y a M. Meilleur qui s'est pas présenté, mais qui ni fait de comment on appelle ça, de participation vidéo, de vidéoconférence avec Chosebin, là. C'est lui qui te regarde en avant, puis c'est comme si tu te regarderais en arrière, là. Ah! Attendez un peu. On va fermer ça. Un des crises de sollicitations téléphoniques de marde de calice. Ça se peut-tu, tabarnak? Ah ouais, des robots faire ça, les calices de fatigue. Good condition! Va chier, beau, du calice. T'as rien que ça à faire, ce petit parasite de merde, si, va parasiter ailleurs, si, surtout dans les zones, genre YouTube, Orangina, là. Bon, revenons-en à lui, là, ben, la vidéo, là. Monsieur Meilleur, c'est ça? Moi, je trouve que t'es, il était fin dans son affaire. Pour pas pour perdre de crédibilité, parce que je pense pas que quelqu'un, aujourd'hui, dans le nouveau monde, pas le nouveau monde ésotérique, là. Non. Dans le nouveau monde actuel, parler d'extraterrestres, c'est comme parler, combien de sucre tu mets dans ton café, là, tu sais. Il n'y a rien compliqué là-dedans. Il y a pas personne qui va te traiter de malade mental, même si t'en es un. C'est un sujet qui est pas tabou comme avant. Hein? Avant, c'était tabou, c'était payant. À ça, il faut qu'ils construisent des histoires pour ça, c'est payant. Eh ouais. Ben là. Je parle pas de M. Meilleur, là. M. Meilleur, il a déclaré qu'est-ce qu'il avait déclaré à TVA, là. Autrement dit, Orangina a copié sur TVA. Pur et simple, hein? Mais... C'est plus crédible à TVA. Ah, il va te faire détester. C'est de l'humour. La grosse humour. Ouais, c'est ça. Monsieur Meilleur, il n'a pas participé directement. Il a participé par la ligne ouverte. Ben, il parlait parce que c'était pas vrai. Il y avait juste lui, puis... Le nounou de E, qui ont participé pour parler, sans compter d'entendre la gonzesse en arrière qui piolait de temps en temps. Ben, il va me gêner, là. Tu sais, elle piolait. A tellement de connaissances en astrologie. Oh non. Gourou, femme ta gueule. Elle t'a même traité de... Maniaco-dépressif. Ouais, regarde.
Non, tu sais, je veux pas tomber dans le même niveau que d'autres. J'ai plus de valeur que ça. Ben non, je sais. Ça aurait été trop facile de dire ce que je pensais. Je te laisse penser qu'est-ce que je pense. Bon. Il était toute une fois une bête à quatre pattes avec des taches blanches et noires qui gambadait dans un pré proche du lac Orteil. Tout d'un coup, voyant le gourou, un peu fou, tomba en extase devant sa magnifique silence. Tu n'appelles pas ça un parasite, là. Oh. Elle fait rien, cette fille-là. Ok. Pour Monsieur Meilleur, j'ai rien à déclarer. Je trouve qu'il a fait. Il a eu pitié de la patente, là. Il a appelé. À force de se faire saler, à un moment donné, il dit, ouais, il doit savoir, oui, il doit appeler, là. Ben oui, appelle-moi de telle date, là, puis on en parlera. On va dire la même chose que sur la TVA. C'est à peu près ça qui est arrivé. Ben, là, tu sais, c'est quasiment du mot pour mot, là. Hey, youhou! L'autre, là, par exemple, celui qui a vu, là, qui a vu l'ombre, qui a vu l'ours, là. Ça, c'est pas arrangé, là. J'ai une bonne poignée de dos. Shiny au bras. Au bras, ça intéresse. Voyons donc. Ça vaut même pas la peine de gaspiller sa salive pour ça. Les gens sont pas assez stupides pour pas s'en apercevoir quelle sorte de crise de montage de la vidéo, là. Je suis certain s'il y aurait eu un traducteur de mensonges dessus sur cette vidéo-là, on aurait entendu tout le long. Va dire comme ma femme. Tout le long comme ça. J'ai juste fait passer son message de comment géo-ingénierie. Zéro ingénierie. C'est zéro son affaire. Zéro moins zéro, retiens rien, égale zéro. Pas fort, chef, pas fort. Hey, j'ai passé dans une caméra, ben, vide une webcam, autrement dit. J'ai un hangout pour dire la même petite histoire qu'il a racontée de son Facebook. Qu'il n'y a même pas un petit média qui est au courant de tout ça. Il y a juste la patente à le gourou un peu fou qui était au courant de ça. Mais c'est sûr qu'il y a des trolls qui se promènent, là, tu sais, il a envoyé des trolls un peu partout là, sur le web là, pour voir si quelqu'un peut. Bon, ben il n'a pas trouvé, fait que il a trouvé un troll là, qui pouvait alimenter quelque chose. Là. Hey man, si tu dis ça même, je te donne du cash en dessous de la table. Il est une enveloppe brune, là. Pas une valise! Une petite enveloppe brune. Il y a même la corruption aussi dans les autres églises.
va leur envoyer l'anti-gang corruption. Comment qu'il appelle ça, déjà, la CAP? On va envoyer la CAP dans ce coin-là. Il dit, va-t'en au lac Orteil, là. Là, où il y a un gros 7 ans de barbotte, là. Tu tortes les barbottes, il y a une grosse porte induite, là. Il y a des secoupes ballons qui sortent de là, là. Pas à Saint-Hilaire. Mon gars fier. Oh. Je suis pas trop cassé. Mon café, il est pas trop cassé, par exemple. Ah, je t'ai joué sans de la vie. Donc, pour revenir au sujet de l'ésotérisme, je pense que ça s'en va. Comme un. Comment qu'il appelle ça? Un skieur qui fait du slalom, un slalomeur, un slalomeu. C'est quelqu'un qui fait du slalom, comment t'appelles ça? Un bretteux. Un bretteux. Voyons, il y a quelque chose dans l'œil. Ah, ouais. Ouais, calice. Bon. OK. Alors, donc, c'est ça. Il n'y a pas grand chose à déclarer dans l'ésotérisme, à part que cette histoire est bien montée, là, ou que ça paraît pas partout que ça t'est monté, là. Ou ce que ben du monde qui a des poignées dans le dos, là. C'est là, là. Là, tu regardes le forum. Il y a souvent des congratulations, c'est ça qu'on dit? Congratulations. Congratulations. Ça chliche le moineau puis le péteux en même temps, tu sais. Et brune. Le village. Ah, oh, j'ai trouvé. C'est quoi? C'est le village des langues brunes. Tu sais, quand il est sorti cette vidéo-là, là. Il y a eu 623 vues. Autrement dit, t'enlèves le coefficient 0. T'enlèves le coefficient de satisfaction, parce que il y a pas tout le monde qui sont satisfaits, parce qu'il n'a pas goût que répondu à cette chose-là. La seule chose qui a été remarquée, vraiment la chose qui a été saisie dans cette vidéoconférence avec ce monsieur-là, là, qui a commenté l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs, là. La seule chose qui a été retenue là-dedans, c'est le char. Crasse-le 300, c'est... Wow! À Saint-Zénon, les routes sont longues. Il y a des méchants taouins pis des tétons. Non, non. Hey, c'est de l'humour, là, hein? Faites-moi pas chier, c'est de l'humour. Faut bien en rire, là, parce que si on en pleurait, là, ça serait dramatique. La fin est fonde dans tout ça, là. Il n'y a pas grand chose à déclarer dans l'ésotérisme. Parce que tout ce que le gourou de l'autre bord, là, de l'au-delà, là. Au-delà. Au-delà. Pas au-delà, au-delà.
Nine-nine! Tout ce qui vient de l'autre bord, là, c'est ça, ça fait des langues brunes. C'est nine-nine! C'est... Bien! Hey, t'as resté un petit peu de compétueux, là! Je sais pas, je suis gêné, on dirait qu'il y a un Kikou qui a passé devant moi. Pour connaître un gars qui se tient dans ce coin-là, là, là. C'est fort simple. Tu vois toujours un paquet de bouche à l'entour de lui. Hein? On voit pas les piscines? Non, non, il n'y a pas de danger. Ça tente pas de virer ma caméra. Non, non, non. Non! Non! Non, non! Bon. Ça résume-tu un peu ce que je voulais dire, là? Les éthérismes, l'ésotérisme? Il est tellement passé date qu'il se crée des histoires pour le faire venir. Ben oui. Faire venir une vieille soupe, c'est-tu comment tu fais? Tu prends la vieille soupe, puis tu rajoutes un peu d'épices, un peu de fromage, un peu de confiture, puis tu brasses ça. Là, ça fait la surface, là, tout le grimaud, là. Là, tu vois toutes les mouches et les barbottes sur le derrière. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Il va laisser la place à tout bout de tout. Ciao! Là, là, c'est de l'humour! Bonjour! Dehors! Aujourd'hui, toi, Charlie Ling! Ça dure pas longtemps, faut saisir. Dehors! Canadien? Montréal? Zoup! Zoup, zoup, zoup! Non, pas zoup. Nain! Il va faire zoup puis il va monter. Dehors! Fini deuxième. Dehors! C'est sûr, regarder ça de même, ça garde mal, là, mais. Je me trompe jamais! Donc, deuxième channeling, ling ling, donc, paquet de monde voit extraterrestre, donc, dans le garage, dans la cave, dans le grenier, Même dans le petit cabanon, tu mets ton petit balai électrique, là. Dans le garde-robe, tu le lites. Ouais, plein de stoutrices partout. Ça va pulluler sur Internet toutes les partages de gens qui vont avoir vu des extraterrestres. Moi, il y en a une petite enveloppe de rue, naturellement. Donc.
troisième chaloline. Harper, il joue plus la bonne harpe. Nang. Harper, montrer, coupier de cul, pouf, sortir de là. Do. Prochaine élection, do. Pif. Et le petit prend son beau bril. Voilà, c'est tout.